Salut les petits lapinous! Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je tenais à vous faire une vidéo spéciale. Le livre de Jean-François Clairvoy et Franck Lehaut. Alors moi franchement, j'ai adoré Jean-François Clairvoy parce qu'à la MJC Belle Étoile d'Épinal, je l'ai vu et franchement il nous a parlé. Et dans ma classe, j'avais posé des questions et ils m'ont donné plein de questions où j'ai eu la réponse. Bon, ça se peut que ça soit par mon père, voilà. Ou sinon, c'était par Jean-François Clairvoy. Alors, il nous a parlé un petit peu de ce que c'était, ce qui se passait dans l'histoire, dans l'espace. Je peux pas vraiment vous dire parce que ça fait quand même un an, donc voilà, je me souviens plus trop. Et donc, le nom, le titre, c'est Histoire de la conquête spatiale. Donc, si jamais vous le voyez, que vous avez de la chance de pouvoir le voir, franchement, je vous conseille de l'acheter. Donc, on va passer à lire le début. Donc là, nous avons le sommaire. Donc, nous avons le sommaire. On va un petit peu lire. C'est flou, désolé. Donc on voit un petit peu tout ce qu'il y a. Bon après, si vous voyez par exemple, là nous avons 2000. Parce qu'en fait c'est en année 2000, dans l'année 2000, il y a ça. Il s'est passé ça. Donc, par exemple là, et ben en 2003. Donc on va regarder en 2003. 2003, un Chinois en orbite terrestre. Donc c'est page 126. Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans... Ça, c'est être cobaye et scientifique. Franchement, pour vous dire que c'est quand même assez loin. J'essaie... Tout à l'heure, j'avais une photo de Jean-François Clairvoy. Alors, si franchement on voit Jean-François Clairvoy, ce serait bien. Voilà. Un Chinois en orbite terrestre. Le 15 octobre 2003, la Chine procède un lancement de son premier astronaute, dit Taikonaut, en orbite terrestre. Donc leur nom, en fait, en Chine, quand t'as quelqu'un qui part dans l'espace, c'est un Taikonaut. Ils appellent ça un Taikonaut. En orbite terrestre. 52 ans après l'Union soviétique avec Yuri Gagarine, je sais pas si on l'a pas en photo parce que juste à côté en fait il y a la page avec des photos de personnes. Et du coup on n'a pas la photo de Yuri Gagarine. Devient la troisième nation capable d'envoyer un homme dans l'espace par ses propres moyens. Pour sa première, le chinois Yang Liwei, donc c'est le chinois là, c'est le premier chinois dans l'espace. Bon voilà, je vais pas vous lire tout non plus. Donc, le chinois Yang Liwei, 38 ans, va même effectuer un vol de 21 heures comportant 14 orbites, lancé par la fusée CZ-2F ou Longue Marche. La capsule spatiale Shenzhou, qui signifie vaisseau céleste, est comparable à Soyouz russe.
Au cours de sa mission, le taïkonaute se contente de surveiller les systèmes de son vaisseau, observe la Terre en commentant ce qu'il voit, dialogue avec sa famille, se restaure avec de la cuisine chinoise traditionnelle. Même si ce programme n'est pas l'occasion d'une grande avancée technologique, il constitue un exploit pour la Chine qui est aussitôt salué par les autres nations. Depuis la Station spatiale internationale, les astronautes souhaitent la bienvenue à leurs collègues dans l'espace et félicitent le peuple chinois. Les ambitions spatiales de la Chine ne sont pas des satellites. Et des satellites sont lancés par la Chine au milieu des années 1970. Les astronautes ayant été déjà sélectionnés en vue d'un programme de vol habité, rapidement abandonné. Donc voilà, après nous avons un... Après je peux pas tout lire non plus. Ah si, quoi. Un second recrutement d'astronautes se déroule en 1995. Donc voilà. C'est un peu l'histoire des Chinois, donc des premiers Chinois. Et la première Chinoise, du coup, Liu Yang, elle va en juin 2012 sur l'espace. Donc c'est elle. Sa première chinoise. Et donc, j'avais vu au tout début, vers le début, qu'il y avait Jean-François Clairvoy. J'essaie de le revoir. Tiens, j'ai trouvé Jean-François Clairvoy. Donc là, vous voyez le monsieur, ici. Donc c'est Jean-François Clairvoy. Et j'ai vu Hubble. Voilà, Hubble. Je vous présente Hubble. Donc c'est, comme vous le savez, c'est voilà, c'est un satellite qui était envoyé dans l'espace, et maintenant je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'il est là, ou une trentaine, pas loin de 30, qu'il est dans l'espace, pour dire. Et normalement il doit bientôt arrêter d'être dans la lune, il me semble. Donc là nous avons encore Jean-François Clairvoy avec sa fille, donc Jade. Là on a encore Jean-François Clairvoy qui est avec des objets personnel. Donc là, c'est l'installation de la Discovery. Là, c'est le repas international dans Mir. Et là, c'est Mir STS 84. Donc en fait, Mir, c'est... Là, ils sont dans Mir. Et en fait, Mir, c'est ça. Voilà. En fait, là, ils sont en train de faire un repas dans ça. Dans leur morceau de fusée et comme ça. Donc franchement, moi ça m'a super plu de vous faire cette vidéo. J'ai tenu à cœur de la faire parce que mes amis m'avaient demandé, j'en avais parlé sur Snapchat et elles m'ont dit, bon elles m'ont fait un peu du chantage mais bon. Voilà. Donc là c'était l'expérience personnelle par Jean-François Clairvoy. Pour dire que j'ai quand même eu de la chance de pouvoir le voir. Je suis vraiment contente. Ne soyez pas triste de ne pas l'avoir. Mais si vous le voyez, vraiment, soyez content. Et même si vous n'avez pas acheté le livre, soyez déjà content que vous l'ayez vu. Parce que franchement, il y en a qui n'achetaient pas le livre, mais ils ont déjà eu de la chance d'aller voir Jean-François Clairvoy, quoi. Qui est quand même un astronaute français qui est déjà allé dans l'espace. Et moi, franchement, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps à la télé et à la radio. Donc voilà.
Je tenais à vous faire cette vidéo parce que sinon mes copines se désabonnaient. Bon, c'est un peu du chantage, mais c'est pas grave. Donc voilà, cette vidéo a été... Donc je la mets en ligne quand je le pourrai. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et partagez. Ciao !